Voilà les amis, dans ma communauté, je suis la pépine de 44, je vais parler de ce jeune homme qui se fait harceler sur TikTok, comme moi je me suis fait harceler sur YouTube, et que ça continue. Moi, ma famille et mon mari, qui n'est plus sur YouTube parce qu'il est parti à cause de ça. Et je le soutiens, je veux juste lui dire, jeune homme, je ne sais pas ton prénom, mais je suis avec toi. Je sais ce que c'est un handicap. Je sais ce que c'est de subir tous les jours des moqueries. C'est ce qu'on fait tous les jours. On subit sur notre YouTube des moqueries. On nous rabaisse. On nous traite de gogol, d'illettrés. Alors voilà, je te soutiens. D'être handicapé. Je souhaite que votre enfant soit comme moi, pour que vous sentiez ce que je vis moi. Et toutes ces critiques qui me rabaissent, qui me fait mal, H24, j'en ai marre. Donc maintenant, je veux que toutes ces moqueries s'arrêtent. Parce que j'en vois de plus en plus en 2020, et ça me fait mal. Et tout ce que vous me dites en commentaire me fait mal. Donc stop, je n'ai pas choisi d'être handicapé. Donc maintenant, stop. Stop aux critiques. Stop au jugement, s'il vous plaît. C'est tout ce que je pense. Je suis heureux avec ça. Donc lâchez-moi avec ça. Un peu. Et tout ira bien. Merci. Voilà. Vous avez entendu le message de ce petit garçon. Je suis très d'accord avec toi. Je sais qu'on nous critique. Sois fort. Qu'on est critique tous les jours sur notre handicap. On dit qu'on est des gogoles. Qu'on est illettrés. Qu'on ne travaille pas. Mais qu'on ne fait pas grand chose. Mais t'inquiète pas, on est plus forts ensemble. Et je te soutiendrai. La famille bretonne, la gitane du 87 te soutient. La bonne humeur te soutient. Et la pépine du 44 te soutient. Ensemble, on sera plus forts. Continue et laisse parler les gens. Bisous.